Alors que l'on assiste à une progression alarmante du diabète dans les pays en voie de développement, cette maladie touche de plus en plus d'enfants. Le diabète de type 1, qui nécessite des piqûres d'insuline plusieurs fois par jour, connaît une forte hausse chez les enfants de moins de 15 ans. Autrefois considéré comme réservé aux adultes, le diabète de type 2 chez les enfants se répand aussi de façon alarmante. Partout le même constat, le changement de mode de vie et d'alimentation constituent les deux causes essentielles de ce véritable fléau. La consommation excessive d'aliments gras et sucrés et le manque d'activité physique que l'on observe chez de nombreux enfants au Mali jouent un rôle certain dans l'apparition de cette maladie. Tu rentres avec moi? Non, Salmata, je dois aller chez le docteur. Le docteur? Tu n'as pas l'air malade. Pourtant, je dois le voir souvent parce que j'ai le diabète. Le diabète? Viens avec moi, il va t'expliquer et puis moi, je n'ai pas tout compris. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, Tidiane. Je suis venu avec Salmata qui est dans ma classe. Elle voulait comprendre ma maladie. Très bien. Le diabète, c'est quand on a trop de sucre dans le sang. Ton camarade Tidiane a le diabète parce que son corps ne fabrique plus une substance que l'on appelle insuline. L'insuline a pour rôle de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Notre corps a besoin de l'insuline pour vivre. Ainsi, le corps de Tidiane ne fabrique plus d'insuline. Nous lui donnons de l'insuline pour remplacer celle qui lui manque. Mais comment on fait ça ? Mes parents me font une piqûre d'insuline tous les matins et une autre tous les soirs. Le docteur les a bien expliqué comment faire et ça me fait même pas mal. Ça marche bien? Oui, mais je dois faire des piqûres d'insuline toute ma vie parce que mon corps n'en fabriquera plus jamais. Alors c'est impossible d'oublier que j'ai le diabète.